Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de nous rejoindre ici à l'aire d'exposition de la 19e Semaine nationale de la culture. Ce soir, nous sommes avec l'un des écrivains les plus prolixes de sa génération. Auteur polychronique, il l'a produit en théâtre, en roman, en poésie et maintenant en nouvelle. En effet, après son premier roman en 2004, L'Antédestin, sacré Grand Prix national des arts et des lettres, où il examine avec beaucoup de lucidité l'épineuse question de la multiculturalité et de l'interculturalité, notre auteur nous revient en 2018 avec deux recueils de nouvelles qui nous livrent des fragments de vie africaine afin de rendre compte de notre vécu quotidien, pour reprendre ses propres termes. Ces deux recueils de nouvelles, Saïla et la Triade de sang, est une invite de l'humain à se départir de l'attentisme et s'éloigner de l'orgueil ethnocentriste pour redevenir simplement humain, c'est-à-dire un agent de paix, de concorde sociale et un concentré de tolérance. Docteur Draman Konaté, bonsoir. Bonsoir, Fousséni Kindo. Merci de répondre à notre invitation. Dans la première partie de cette émission, nous allons parler d'abord de l'écrivain que vous êtes. Vous avez produit, je l'ai dit, dans plusieurs genres, la poésie, le roman, la nouvelle. Oui. Et vous êtes même musicien à vos temps libres. Tout à fait. Et expliquez-nous un peu d'où vous vient tout ce talent. Bien sûr, de la nature, je serais tenté de le dire. Un homme de la nature est ouvert et poreux, comme le disait le poète Aimé Césaire, à tous les vents, puisque la nature, c'est la sensation, c'est l'émotion. Mais aussi, quand vous voudrez être un homme plein, dans le domaine de l'écriture ou dans le domaine des arts de façon générale, vous devrez vous inspirer de la nature. La nature, cela veut dire aussi votre environnement culturel. Et on le voit également dans vos écrits, le Burkina Faso est l'espace de votre imaginaire, d'est en ouest, du nord au sud. Tout à fait. Avant tout, je suis burkinabé. Je suis né ici au Burkina Faso, j'ai grandi au Burkina Faso. Donc, j'ai acquis, comme le dirait, non seulement cette identité, mais aussi cette fierté j'ai cette fierté d'être burkinabé avant tout, et cette patrie qui m'a tout donné. C'est la raison pour laquelle on ne peut, comme on le dit, l'écriture, c'est avant tout un miroir promené le long de la route, si l'on veut être réaliste, ou si l'on veut que les œuvres que nous produisons prennent ancrage dans la société. C'est la raison pour laquelle on ne peut se départir de son environnement culturel. Moi, le mien, c'est le Burkina Faso, dans mes écrits. Et c'est certainement cette quête d'aller vers l'autre, de ce dialogue des cultures, puisque vous serez tenté d'écrire sur la région d'où vous êtes originaire et on ne vous aurait pas reproché quoi que ce soit. Tout à fait. Le Burkina Faso compte une soixantaine d'ethnies, selon ce que les ethnologues ont établi comme statistiques. C'est pour dire aussi que cette diversité culturelle, ce pluralisme culturel, c'est une richesse pour le Burkina Faso. Si bien que si vous êtes d'une région précise, sans verser dans le régionalisme ou si vous voulez dans l'ethnicisme, et vous regardez de l'autre côté, c'est-à-dire les autres aspects culturels, tout cet éventail culturel dont regorge le Burkina Faso, ça ne peut produire que quelque chose d'assez exceptionnel pour notre pays. La preuve est que la Semaine nationale de la culture, en somme, la Semaine nationale des cultures, parce qu'il y a autant de nationalités, autant d'ethnies, il y a autant de cultures, autant de langues qu'autant de cultures. C'est la raison pour laquelle un écrivain, normalement, devrait s'ouvrir justement à toute cette diversité culturelle pour rendre compte des réalités que nous vivons. Également, vous êtes le fondateur de la SAGES, la Société des gens
Oui, des auteurs, des gens de l'écrit et des savoirs. Humblement, c'est avec des camarades à l'époque que nous avons porté sur les fonds baptismaux cette structure chargée de motiver dans l'écriture. Vous savez, il fut un moment où la littérature burkinabé était totalement absente. Absente non seulement du panorama littéraire ici au Burkina Faso, au panorama littéraire africain, et même dans les programmes d'enseignement. Et nous nous sommes dit, non, ce n'est pas normal. Alors, il faut se réunir au sein d'une structure de sorte à pouvoir promouvoir non seulement la lecture, mais également l'écriture. Et vous avez vu que depuis que la sagesse a été mise en place, non seulement nous avons recueilli beaucoup d'adhésions, mais aussi de plus en plus les Burkinabés non seulement lisent, mais ils écrivent. Et ce ne sont pas seulement ceux qui sont passés par les belles lettres, c'est-à-dire les lettres modernes. Ceux qui ont lu les Senghor, Aimé Césaire, et que sais-je encore, Victor Hugo. Mais les juristes écrivent, les économistes écrivent, et même des militaires écrivent. Et c'est tout à notre honneur. Et ce qui fait qu'au Burkina, il n'y a pas cette semaine où il n'y a pas de dédicace de livres. Tout à fait. Étant donné que la littérature maintenant a pris ancrage dans nos habitudes. Avant cela, on imaginait que non, les gens de lettres, ou si vous voulez, les poètes, c'était des rêveurs, c'est des gens qui écrivent, j'allais dire, sur des sujets vains, voilà, qui n'ont aucune prise avec la réalité. Mais nous sommes arrivés à montrer que non, la littérature, ou si vous voulez, l'écrit peut être en rapport avec la réalité. Autant le journaliste est écrivain du présent, autant l'écrivain aussi est écrivain du présent. Donc pour vous, la littérature permet aujourd'hui de régler des questions sociétales qui se posent à nous. Absolument. Étant donné d'abord que cette littérature est enseignée dans nos lycées et collèges et même dans les universités, il y a des problèmes qui sont abordés. Et si d'ores et déjà, il y a une prise de conscience, il y a un éveil des consciences depuis la base, c'est-à-dire au niveau scolaire, je crois que c'est le pays qui gagne. Parce que quand une nation qui lit, comme on le dit, est une nation qui gagne. Et si vous avez remarqué, les nations, les grandes nations sont celles qui ont promu le plus la matière littéraire. Mais quand vous prenez les États-Unis, quand vous prenez la France, quand vous prenez le Japon, les gens lisent dans les métros, dans les restaurants. Les gens lisent même en marchant. Pour dire que malgré la prédominance du multimédia, malgré la prédominance des nouvelles technologies de l'information, l'écrit reste quelque chose de fondamental pour l'homme et l'être humain. Et au Burkina Faso, je crois que c'est ce qu'on a compris, même si nous avons affaire à une jeunesse qui est branchée à Facebook, une jeunesse Android, comme on a l'habitude de le dire, avec la sagesse, nous nous sommes battus pour que le livre puisse entrer, non seulement dans les familles, dans les écoles, mais aussi que les gens puissent écrire. Et vous ne vous êtes pas seulement limité au Burkina Faso en tant que territoire. Vos idées, pour ne pas dire les innovations que la sagesse a apportées, a transcendé les frontières du Burkina. Vous êtes par exemple les précurseurs de la rentrée littéraire. Tout à fait. Ce qu'on ne voit pas dans la sous-région. Oui. Vous êtes également précurseurs, ou pour ne pas dire les innovateurs, par exemple, des concepts comme Calamou, on va Calamou, en parler. Oui. C'est ça, oui. Très bien. C'est vrai, par exemple, que au Mali, ils organisent leur rentrée littéraire, et je crois que dans d'autres pays, mais ce qui est sûr, comme vous avez parlé de précurseurs, ici au Burkina Faso, très vite, nous avons pris conscience que pour relancer la matière littéraire avec la sagesse, il fallait instituer la rentrée littéraire. La rentrée littéraire, en somme, ce sont les écrivains qui se retrouvent. Voilà, qui se retrouvent, c'est leur entrée, et ils se disent que bon, à partir de là, voici ce que nous allons écrire, voici ce que nous allons produire. Et également avec la rentrée littéraire, c'est pour booster l'activité éditoriale au Burkina Faso. Et pour savoir, par exemple, au cours d'une année, en 2017, il y a eu combien de productions littéraires au Burkina Faso, toutes tendances confondues, pas seulement les genres littéraires que nous connaissons, c'est-à-dire le conte, la nouvelle ou le roman,
mais aussi dans d'autres domaines, les essais juridiques dont j'ai parlé, dans le domaine de l'économie, etc., etc. Donc, il fut un moment où il a été prouvé que il n'y a pas moins d'une centaine de livres, une centaine de livres produits au Burkina Faso, de sorte à montrer que les gens écrivent de plus en plus, par an, hein, voilà. Alors qu'avant, on avait à peine peut-être une dizaine de parutions par an. Et parfois même, on n'en parlait pas. Vous pouvez avoir quelqu'un à Fada ou à Falagountou quelque part, un enseignant, ou de l'autre côté à Doropo. Bon, ou du moins à Kwere, parce que Doropo, c'est de l'autre côté, en Côte d'Ivoire. Alors, qui produit son livre, ou il n'arrive pas à produire son livre, il a des manuscrits parce qu'il n'y a pas d'éditeur pour l'accompagner. C'est la raison pour laquelle, avec la rentrée littéraire également, nous avons demandé à l'État de mettre en place des mesures de sorte à booster cette activité éditoriale. Et j'ai l'habitude de dire, et je n'ai pas peur de le dire face aux gens, on parle de plus en plus d'industrie culturelle. Et quand on parle d'industrie culturelle au Burkina Faso, on a l'habitude de voir en réalité le cinéma, la musique, le livre. La danse contemporaine. Bon, tout à fait. Alors que, non, le livre et l'imprimerie constituent la première industrie culturelle. Vous prenez l'imprimerie. Qu'est-ce que l'imprimerie ne fait pas? Même l'artiste musicien qui fait sortir son CD, il a besoin de pochettes. Où il va? À l'imprimerie. S'il veut organiser ses concerts, ce sont les affiches. Hormis cela, l'imprimerie qui a été créée, comme vous le savez, au Moyen-Âge par Gutenberg, a des beaux jours devant elle. L'imprimerie est telle que même votre bulletin de paie, c'est l'imprimerie qui produit cela. Les carnets de santé, c'est l'imprimerie. Et tout ce qui vous environne, parce que si je dis l'imprimerie, on parle de plus en plus de livres électroniques, d'accord. Et ça aussi, ça va poser d'autres types de problèmes, des problèmes, j'allais dire, de type nouveau, à savoir le livre édité sur papier et ensuite le livre qui a été transposé ou du moins qui a été dématérialisé. Alors, à qui revient le copyright? Celui qui a dématérialisé ou bien l'éditeur ou l'auteur au début? Tout ça, il faudrait par exemple que le bureau burkinabé du droit d'auteur puisse se saisir de cette problématique. Ils n'ont pas cessé, à travers la sagesse, d'attirer leur attention là-dessus. Donc, quand je parle de l'imprimerie, pour ne pas faire la publicité de certaines grandes sociétés, mais si vous prenez les tickets et même vous payez l'électricité, vous payez l'eau et quoi, c'est sur la base de facture. Quand vous allez à l'hôpital, on ne vous donne pas, jusqu'à preuve de contraire, une ordonnance électronique. On vous donne une ordonnance sur papier. Donc, ça veut dire que l'imprimerie, ou si vous voulez l'imprimer, est partout présent. Maintenant, dans le domaine littéraire, supposons que l'on ait, par exemple, 300 000 ou 200 000 candidats au BEPC et que des épreuves sont tirées de nos livres, des livres d'auteurs burkinabés. Il faut bien imprimer, il faut bien tirer. Hormis cela, les livres qui sont inscrits au programme scolaire. Imaginez un auteur qui produit son livre et le gouvernement, dans sa politique, estime que non, cet ouvrage-là doit être inscrit au programme scolaire au regard de la qualité et même du fond, les problèmes qui sont abordés. Mais alors, on se tourne vers l'imprimerie et le livre scolaire n'en pas. Le Burkina Faso perd des milliards en commandant le livre scolaire à l'extérieur. Alors que nous avons nos imprimeurs qui sont là, quand je parle de première industrie culturelle, nous avons demandé à ce que l'État vote une loi dans ce sens. Une loi de sorte à renforcer les capacités éditoriales du Burkina Faso et que les livres scolaires puissent être effectivement produits ici au Burkina Faso, que l'on cesse d'importer des livres à coût de milliards alors que les imprimeurs sont là, payent l'impôt, embauchent des gens pour travailler et vous voyez l'ensemble de problématiques que cela peut... Des entreprises commerciales en tant tout que telles. Tout à fait, voilà. Oui, et docteur, vous êtes également enseignant-chercheur, spécialiste des sciences du langage. Oui, sémiotique ou sémiologie. Oui. Mais sachez que c'est la sémiologie qui est à l'origine, en fait, de la sémiotique. Les gens inversent parce que la sémiologie est présente depuis l'Égypte antique. C'est la science des signes.
Science de langage, ça veut dire la science des signes. Et vous savez que les signes égyptiens, c'était des hiéroglyphes. Donc, il fallait disposer de cette science infuse pour pouvoir interpréter les signes. Donc, dans l'évolution, les Occidentaux se sont appropriés cette science et ont transformé ça en sémiotique pour dire c'est la science des signes ou science, ce sont les sciences du langage. Mmh. Voilà. Donc, en fait, c'est pour rétablir un peu les choses, pour dire que nous devrons être fiers, nous les Africains, parce que nous avons été à l'origine de la sémiologie. Aujourd'hui, on confond, on dit sémiologie est exclusivement réservée aux langues, puisque les langues, ce sont des signes avec les langues. L'alphabet, c'est un ensemble de signes. L'alphabet français que nous maîtrisons tous, mmh. c'est un ensemble de signes. Alors que la sémiotique s'intéresse au-delà de ce langage-là, oui. au-delà de ces signes, également aux formes d'art et à toute forme de vie que nous avons. Voilà. Oui. Et donc, on en vient à la deuxième partie de cette émission, la présentation de vos deux recueils de nouvelles, Sahela et la triade de sang. On peut le dire, deux jumelles que vous avez produites en même temps. Elles comportent 7 nouvelles, soit 4 nouvelles pour Sahela et 3 nouvelles pour la triade de sang. Pour vous, le chiffre 7 est symbolique. Tout à fait. Vous aviez comme en Afrique. Voilà, vous avez entre-temps parlé de l'Antidestin au début qui a été publié en 2004, qui compte 7 chapitres. Et cette fois-ci, c'est 7 nouvelles. Et entre 2004 et 2018, bon, bien sûr, ça fait une bonne dizaine d'années. Certainement que vos téléspectateurs vont se demander pourquoi. Effectivement, je m'étais consacré à mes activités de recherche. Voilà, scientifique et à des publications scientifiques. Mais et aussi, entre-temps, on a été député. C'est vrai, au Conseil national de la transition. Et nous avons, hormis cela, accompagné de jeunes auteurs à produire leurs œuvres. Donc, en les aidant dans la correction et dans la production. C'est vrai, le chiffre 7 pour moi, comme vous le savez, existe le 7 existe un peu partout dans le monde et dans toutes les cultures. Vous prenez les 7 tours de la Kaaba. Vous prenez également les 7 cieux dont on parle. Vous prenez les 7 couleurs de l'arc-en-ciel. Vous voyez que le chiffre 7 est partout présent. En fait, c'est un chiffre qui dénote de la perfection. Voilà. Donc, dénote du moins la perfection dans les formes d'art, mais également dans les cultures. Quand on parle du septième ciel, en réalité, c'est dans le bouddhisme, avec le nirvana, qui atteint le niveau 7, puisque le bouddhisme a 8 étapes. Donc, septième étape, en fait, on est au niveau du nirvana, c'est-à-dire la réincarnation. Bien, à ce niveau-là, dans les œuvres, nous avons essayé de structurer les nouvelles de sorte à ce que le 7 soit expressif et que chaque nouvelle puisse renvoyer à une réalité du vécu quotidien. Exactement. Du vécu quotidien, quand on prend Sahela par exemple, qui comporte 4 nouvelles, on prend un exemple, la nouvelle éponyme, Sahela, qui parle des questions de changement climatique, de sécheresse, de désertification, mais qui, au-delà, pose un certain nombre de problématiques, l'adaptation de l'humain à son environnement qu'il a contribué à détruire. Vous faites bien de le dire. En introduction tout à l'heure, je vous disais que l'homme est un être, j'allais dire, de la nature. Et que la première forme d'aliénation, et c'est Karl Marx lui-même qui l'a dit, c'est le fait de se déconnecter de la nature. C'est la raison pour laquelle dans Sahela, nous sommes revenus sur l'humain, l'homme face à son destin. Et cette destinée qui se trouve en quelque sorte brisée par le fait que l'homme a martyrisé la nature. Et en martyrisant la nature, naturellement, la nature se sent abandonnée. Et c'est la raison pour laquelle l'héroïne n'a pas manqué de dire, Walpaga, que la nature, c'est comme une femme. Vous la maltraitez, vous la martyrisez, évidemment, elle vous abandonne. Donc, face à cette décision du conseil de village
de quitter, d'abandonner le village parce que tout simplement, on avait, entre-temps, des politiciens étaient en action pour dire, bon, ok, si vous nous donnez le voix, on viendra, on va construire des routes, on va construire des barrages. Pour construire des routes et pour construire des barrages, il faut bien couper les arbres. Et donc, on n'a pas pensé qu'on est dans un contexte sahélien. C'est la raison pour laquelle la culture, le développement de la culture doit aller avec la culture du développement et vice-versa. Voilà. Est-ce que nous pouvons nous permettre de construire des routes? Ça, c'est bien, route du développement, mais en même temps, détruire la nature, le peu de nature que nous avons. Nous sommes dans un pays sahélien. Est-ce forcément cette route qui passe d'un point A à un point B, on ne peut pas la dévier d'un point C à un point D, de sorte à préserver l'environnement qui s'y trouve. Maintenant, on est carré dans notre façon de voir les choses et on détruit. Et le député, ou du moins le candidat qui est venu parler à ceux de Sahel, là, je vais couper les arbres, je vais construire des barrages, des ponts, faire des routes. Évidemment, ces arbres-là, c'est lui qui les a vendus, ces troncs d'arbres. Oui. Et finalement, Sahela, la terre de Sahela s'est asséchée. Tout à fait. Il n'y avait plus d'eau dans les puits. Et le village avait voulu prendre la décision d'immigrer. Oui. Vous posez des thématiques actuelles. La migration due au changement climatique. Au changement climatique. Bien sûr. Ce n'est pas pour rien que Sahela a bénéficié des égards du SILS. Et Sahela, cette œuvre a eu le prix spécial SILS parce que cette problématique est effectivement d'actualité. Mais jusqu'à abandonner un village, vous avez, dans un euphémisme, vous avez parlé d'immigration ou d'émigration, si vous voulez, ou de migration quand on est à l'intérieur. Mais il s'agit d'un abandon pur et simple d'un village qu'on a contribué à ruiner du point de vue environnemental. Alors, cette problématique qui est d'actualité, même jusqu'à ce jour, on a vu que l'année dernière, la pluviométrie a été mauvaise. Et certains de vos éléments que vous passez à la télé, une fois j'ai suivi un élément, et franchement j'ai failli verser des larmes. Où le bétail mourait dans une contrée quelque part, où il disait que depuis l'année dernière, il n'a pas plu, et où le maire lui-même, il ne sait quoi faire. Il n'a même pas tout à fait. Donc, c'est pour dire que c'est une problématique qui est d'actualité, qui sera toujours d'actualité. Et chaque fois, si vous voyez, nous regardons du côté de l'extérieur pour voir comment ils peuvent nous aider. Alors que non, il y a des attitudes très simples qu'il faut adopter sur le terrain. D'abord avec la révolution, on avait essayé lutte contre la coupe abusive du bois de chauffe. Et ensuite, la divagation des animaux. Et on avait lancé, bon bien sûr c'était sous forme de slogan comme ça, tout à fait le reboisement sur l'ensemble du territoire national. Mmh. Et tout le monde était fier au moins de mettre un pied d'arbre au sol. Oui. Mais, et à Sahela, c'est une femme, tout à fait, avec ses sœurs qui ont décidé qu'on ne bougera pas. Oui, en effet, parce qu'une femme, avant tout, elle est mère. Alors, abandonner le village, parce que ce sont les femmes elles-mêmes qui se lèvent dès l'aurore pour aller chercher l'eau à environ 5 à 7 kilomètres. Ce que nous appelons la corvée d'eau. La corvée d'eau. Et quand le conseil du village a estimé que non, la situation était intenable et qu'il fallait ramasser ses bagages et quitter le village, ce sont les femmes elles-mêmes qui ont dit non, on ne bougera pas d'ici. Parce que d'abord, nous ne sommes pas fatigués d'aller chercher de l'eau jusqu'à 5 km pour venir et revenir vaquer à nos occupations. D'une part et d'autre part, c'est vous-même qui avez, vous les hommes, qui avez contribué à détruire la nature. Et que tout problème que Dieu crée a nécessairement une solution, évidemment, sauf la mort. Oui. Et finalement, elle s'est ouverte à l'instituteur du village et on a provoqué une réunion, un conseil de village, et finalement, la solution a été trouvée de s'ouvrir à l'administration qui allait pouvoir intervenir pour
des forages pour des réalisations d'ouvrages d'accès à l'eau potable. Tout à fait. Et à travers l'action de l'instituteur ici, j'ai voulu rendre hommage à ces enseignants qui se retrouvent dans des brousses reculées où parfois, bon, il n'y a rien, l'administration n'est pas présente. C'est l'enseignant et peut-être l'agent de santé. Alors, l'enseignant joue pratiquement plusieurs rôles. Il est non seulement éducateur, pédagogue, mais aussi il est conseiller. Et il a fallu faire recours à l'enseignant qui est venu dans ce village-là pour leur dire que ce n'est pas intéressant de quitter, d'abandonner son village. Parce que vous abandonnez votre village, mais où est-ce que vous irez? Et qui va vous donner d'autres terres ailleurs? Ça veut dire que vous serez étranger ailleurs, puisque vous n'êtes pas sur vos propres terres. Donc, l'enseignant, dans les solutions également, a dit, c'est vrai, l'administration n'est pas présente dans ce village-là, mais sachez que l'on peut aller voir en ville ce qui se passe, comment faire en pareille circonstance. Et il leur a promis de les aider en introduisant des requêtes afin quand même qu'on puisse leur venir en aide. Oui, en dehors de cette nouvelle SAE-là où on a le rôle de la femme, il y a également dans la triade de sang. Ça, c'est la deuxième œuvre. Voilà, le deuxième recueil où vous abordez aussi la question de la violence, qui n'est pas la violence liée à la violence de la nature, mais la violence du fait des hommes dans la nouvelle Bouctou, qui peut laisser penser à Tombouctou. Naturellement. Ou à autre chose. Bien sûr, vous savez, l'écrivain, c'est son imaginaire. Et du reste, quand j'écris, je n'écris pas, j'ai horreur de ce mot. Je ne mets pas mon ego en avant, j'ai horreur du moi, comme le dirait le philosophe. Mais quand j'écris, je suis un narrateur, c'est-à-dire quelqu'un qui raconte quelque chose. C'est un récit. Voilà. Donc je me cache derrière le narrateur pour dire un certain nombre de choses. Alors, là, pour ce qui concerne Bouctou et cette violence qui va de Sahela avec. Le message où il y a eu ce conflit communautaire, exactement. Voilà, jusqu'à à Bouctou, avec les actes terroristes qui ont été perpétrés là-bas, cela veut dire que la violence, c'est vrai, l'homme d'abord est un loup pour l'homme, et la violence est omniprésente. Je n'ai pas voulu faire une littérature, j'allais dire, de Cassandre. Je n'ai pas voulu faire une littérature eschatologique, c'est-à-dire un peu une littérature qui fait de la mauvaise prophétie. Si vous n'y prenez garde, voici ce qui va vous arriver si vous continuez dans ce sens. Non, c'est une littérature pour faire prendre conscience, voilà, de ce que cette violence-là qui s'est installée depuis ces attaques terroristes que nous connaissons dans le Sahel, d'où le titre aussi Sahel-là, jusque de l'autre côté, dans le monde entier, cela veut dire que l'humain est en train de perdre, notamment ses valeurs, un certain nombre de vertus. Et quand on en vient à massacrer les êtres humains, alors ni exagération, ni apologie, mais on n'essaie pas non plus d'être un conteur macabre, mais on essaie de faire prendre conscience, et surtout en invoquant certaines sourates du Coran, pour dire que jamais exploitation tout à fait voilà éhontée de la religion qui nous entraîne dans une impasse. Docteur Dramane Konaté, on s'arrête là pour cette première partie de l'émission consacrée à vos deux œuvres, La Triade de sang et Sahela. On se retrouve la semaine prochaine, si vous le voulez bien, pour revenir sur d'autres aspects de cette littérature du Sahel que vous nous gratifiez dans ces deux recueils de nouvelles. Ce sera avec un réel plaisir. Voilà, c'est tout pour cette première partie et à la semaine prochaine pour Sahela et la triade de sang. Au revoir.